Bonjour, aujourd'hui j'aimerais introduire un témoignage avant de vous lire le psaume 116. Ça s'est passé il y a quelques jours. Tandis que j'allais comme tous les soirs prier avec mon fils avant qu'il ne s'endorme, Samuel, c'est ainsi qu'il s'appelle, il a 11 ans, m'a interpellé. Il m'a fait part de son mal-être, de ses angoisses et de ses attaques dans ses pensées. Je lui ai alors répondu d'appeler le Seigneur Jésus-Christ à son secours, de chercher la face de Dieu, son papa, et de demander l'aide du Saint-Esprit. Je lui ai dit de refuser les chaînes et l'esclavage dans lesquels le diable voulait l'emprisonner, car la liberté, la joie, la paix se trouvent en Jésus-Christ, lui seul. Il a alors demandé à lire sa Bible, un moment. Je lui ai dit que pendant qu'il lirait sa Bible, moi, j'allais prier en langue dans ma chambre et intercéder pour lui auprès de notre Dieu, car il ne se contente pas d'entendre notre voix, il l'écoute avec attention et il répond toujours à un cœur sincère. Tandis que je priais, Samuel est venu me rejoindre dans ma chambre. Il était souriant, ému. Il m'a dit que le Saint-Esprit l'avait guidé vers le psaume 116. Il me l'a lu, la voix tremblante, apaisée. J'ai remercié le Seigneur et je lui ai dit d'aller se coucher dans sa chambre. Il était encore tout ému, les larmes aux yeux, lorsqu'il s'est endormi, pendant que je priais avec lui. J'aimerais vous encourager à être à l'écoute de vos enfants, à les amener à chercher la vérité et les réponses dont ils ont besoin dans la prière et dans la parole qui est la vérité. Jésus-Christ est la parole, il est la vérité, et il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous guider, nous instruire et nous consoler. Dans la détresse et l'angoisse, recherchons la face de Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Priez avec vos enfants, enseignez-leur la parole, écoutez-les, encouragez-les. Voici une lecture du psaume 116 qui, je l'espère, vous encouragera et vous fera du bien. Dans un premier temps, Samuel va nous lire les premiers versets du psaume 116, puis son papa, Dani, reprendra le psaume en entier afin de vous fortifier. Merci. Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel, tu me fais du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu vas détacher mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce
et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Notre petit Gabriel a voulu à son tour dire un petit quelque chose. Donc voici une petite parole de notre enfant Gabriel. Je marcherai, devant, l'Éternel, sur la terre, et vivant. Jésus est dans mon cœur.